toute la famille réunie. Selon les informations du Sunday Times, le prince Harry et Meghan Markle sont à Balmoral où la reine Elizabeth et son mari, le prince Philip, séjournent depuis plusieurs semaines. Dans ce domaine écossais qui appartient à la famille royale britannique depuis des décennies, les jeunes mariés ont retrouvé le prince William, son épouse Kate Middleton, et leurs trois enfants, la princesse Charlotte, le prince George et le prince Louis. Le prince Charles est également présent tout comme le prince Edward, son épouse Sophie ou encore leur fille Louise. Au programme de ces quelques jours de détente loin du tumulte de la capitale, des promenades, des pique-niques et des barbecues, une des passions du prince Philip même si ce dernier est très malade et n'a plus la même énergie qu'il y a quelques années. Le prince Harry et Meghan Markle continuent, en tout cas, leur périple à travers l'Europe. Il y a quelques jours, ils étaient au bord du lac de Côme, de l'autre côté des Alpes, pour passer du temps avec Amal et George Clooney, selon le magazine italien Chi. L'acteur et son épouse sont des proches des jeunes mariés et ils étaient d'ailleurs invités à la cérémonie donnée le 19 mai dernier.